Mesdames, Messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez sur le canal 3 Bénin. C'est l'heure de vous informer. Voici les titres de cette édition. 24 heures après la proclamation des résultats provisoires des législatives par la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, la Cour constitutionnelle a procédé à son tour à la proclamation des résultats définitifs. C'était à la faveur d'une audience publique. On revient sur cette actualité dans ce 19h30. Les liens d'amitié et de coopération bilatérale entre le Bénin et la République populaire de Chine se portent bien, sinon très bien. Vendredi, le ministre chinois des Affaires étrangères a foulé le sol béninois. Il a été accueilli par son homologue Aurélien Agbenoshi, chef de la diplomatie béninoise. On parlera aussi dans cette édition de cette action sociale de Darrête Aide. L'organisation non gouvernementale vient d'amoindrir aux populations de Tokame Montou les difficultés d'accès à l'eau potable, une adduction d'eau villageoise d'une grosse capacité d'approvisionnement leur a été offerte. Voilà pour les gros titres de cette édition. Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informés. Je vous le disais, après 24 heures, la proclamation des résultats provisoires des législatives par la Sénat, eh bien, la plus haute juridiction constitutionnelle du Bénin a procédé à son tour à la proclamation des résultats définitifs. C'était à la faveur d'une audience publique qui s'est déroulée jeudi à Cotonou. Suivez. Article 2. Proclame élu à l'Assemblée nationale. Au titre de la 9e législature, les 109 candidats ci-après. Union progressiste le renouveau, 53 sièges. 1. Amadou Djibril Labiou. 2. Issa Salifou. 3. Sabi Mohamed Djamilatou. 4. Sina Ounegui Biogounou Idrissou. 5. Chabi Garo Baké. 6. Nouemou Kounemé Domitien. 7. Nyampabou Bounja Jacques. 8. Diego Mexent Didier Paulin. 9. Vigenaï Kossi Barthélémy Mélon. 10. Amoussou Sosou Bernard. 11. Mehou Afiavi Solange. 12. Topanou Prudent Victor Poti Kwasivi. 13. Fabemi Brice Denis Sénat. 14. Zanou Viwayon Jean Major. 15. Noutaï Torhueyon Nestor. 16. Fonton Edmond Tanyon Nanon. 17. Orusengene Yakubu. 18. Lafia Boubakari Omaru. 19. Tony Gemba Ire Fatuma. 20. Soroko Sabi Abel. 21. Fanyon Kochami Nikez. 22. Agua Asoba Edmond. 23. Benoshi Gérard. 24. Alorson Richard Kokouvi. 25. Sewade Gisèle. 26. Adomaou Jérémy. 27. Mbouke Santos Tawes Borgia. 28. Gigi Honoré Marius. 29. Pochan Ahuefa Adeline Natacha. 30. Kobli Vi Dilonis Jimeko. 31. Djobenou Joseph. 32. Koumagbe Afide Doudi Kokou Réginal. 33. Dadeyon Alice Melevi. 34. Soussou Dapé. 35. Kapo Maouyon Thomas. 36. Torsou Adjoa Gladys Edoxi. 37. Apiti Sedozan Jean-Claude Clovis. 38. Renforce Allemagne. 39. Ahoumenou Cécile Sebeyon. 40. Aboudjeté Moussa Justin. 41. Ahonvoy Bla Sedobo Augustin. 42. Moussa Godonou David. 43. Debedji Maoutin Denise. 44. Vlavonou Beounou Louis. 45. Abiyose Abdourazak Ola Landou. 46. Akitobi Olga Adedoyi
Oluremi, 47 Abimbola Babalola Jean-Michel Hervé, 48 Benzin Ina Pohami Edouard, 49 Lokosu Léopold, 50 Kwana Eugénie Akwavi, 51 Akenatonde, 52 Serhueto Lazare Maurice, 53 Aikoele Agoy Rogassienne. Bloc républicain, 28 sièges. 1. Bako Arifari Nassiro. 2. Sabi Yosani Innocent. 3. Kassa Daoga Batlemi. 4. Mpo Ntia Théophile. 5. Chanati Fieto Jeanne. 6. Gounou Salifo Abdoulaye. 7. Mouibo Kofi Bernard. 8. Sopoepe Nathanael. 9. Bien Robert. 10. Seydou Adambi Samou. 11. Apouvi Estache. 12. Degla Assouan Komlan Benoît. 13. Sosou Kazmi. 14. Seibou Abdul Malik. 15. Karim Tidjani Mounifa. 16. Biotchane Abdoulaye. 17. Salio Alidjanatou. 18. Ahi Dedevi Eugénie Chantal. 19. Daïho Rosine. 20. Chanou Sofiatou Moudisola. 21. Kouanou Yonofi Mathias. 22. Karimou Saliman. 23. Kousonda Adjibade Moukaram. 24. Adjaï Titilayo. 25. Glebeto Denis. 26. Ganser Kodjo Armand. 27. Héromain Hervé Yves Martin. 28. Agombonon Dossa Lambert. Les démocrates, 28 sièges. 1. Sounon Boké Soumaïla. 2. Wassangari Biosika Abdel Kamel. 3. Sabi Karim Alassane. 4. Kora Zenabou. 5. Ondete Eric Louis Camille. 6. Olosumaï Hélène. 7. Onga Midoufi Antonin. 8. Moukouré Boko Soule Malam. 9. Sariki Raouf. 10. Wurukubu Abibou. 11. Isiaka Aruna. 12. Orutama Viviane. 13. Deni Fadeyon Léon. 14. Aïhe Y.Elise. 15. Ogbon Kolawole Dima. 16. Tosa Ogusi Edwige. 17. Imoru Tairu. 18. Achade Noure Nou. 19. Dorego B. Léansou. 20. Adéchokan Gafari. 21. Oumenou Denise Maouyon. 22. Godonou Joël Timothée Senou. 23. Naoum Constant. 24. Adjovi Chantal. 25. Ahossi Komla Léon. 26. Soudinou Michel François Olutoye. 27. Raji Abdou Hakim. 28. Onsou Nounayon Célestin. Article 3. Dit que la présente proclamation ne préjuge pas de l'issue des contestations qui pourraient entraîner l'invalidation du siège de député. Ordonne la publication de la présente proclamation au journal officiel. Après les militants de l'arrondissement central Sabi Mohamed Djamila et Issa Salifou, nouvellement élus dans la première circonscription électorale, rendent un hommage mérité aux militants UPR des autres arrondissements de Malanville. Ils sont allés dire toute leur reconnaissance aux populations qui leur permettent de siéger au niveau de la 9e législature. Regardez.
témoigner sa gratitude à Allah et ses électeurs, une démarche qui paraît très simple, mais pour Salifou Issa, elle est d'une grandeur inestimable qui n'a pas de prix. C'est alors ce qui justifie cette tournée de remerciements entreprise dans les arrondissements de Madékali, Garou, Tombouctou et Guinée à la rencontre des militants qui, à l'entendre, ont abattu un bon boulot. Pour le candidat réélu, les 3 sièges arrachés sur 4 dans sa circonscription électorale donnent le moral pour poursuivre le combat jusqu'en 2026. On doit remercier Dieu et féliciter les uns et les autres. Parce que 3 députés, ce n'est pas facile. Et il faut qu'on leur dise aussi qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire ici dans la première circonscription électorale. Parce qu'on a empêché l'opposition d'avoir un député ici. Ça là, c'est une très bonne chose. On doit maintenir ça. Nous sommes là pour remercier la population. Parce que vous avez bien travaillé. Et on est content de vous. Et on prie Dieu que Dieu nous garde ensemble. Et on prie Dieu que Dieu permet de venir vous aider plus qu'avant. Donc continuez de nous accompagner avec vos prières. Et que Dieu nous donne longue vie et plein de succès. Vraiment, une fois encore, merci, merci, merci. La candidate des femmes du parti UPR adresse un satisfecit aux militants avant d'effectuer son entrée triomphale à l'Assemblée nationale. Nous sommes avec vous pour vous montrer combien de fois nous sommes heureux. Nous sommes en train d'organiser une tournée de réjouissance avec la population. Hier, c'était Malanville. Aujourd'hui, c'est le tour de Madékali. Nous vous remercions sincèrement pour l'attachement que vous avez à votre parti, pour la sincérité, le respect que vous avez pour le Baobab. Nous vous remercions infiniment. Aujourd'hui, nous sommes contents parce que sur les 4 députés, nous avons pu avoir les 3 députés. Nous avons souhaité avoir les 4. Mais aujourd'hui, on s'en réjouit parce que nous avons pu obtenir 3 députés sur les 4. Donc, nos sincères remerciements. Et nous sommes venus aujourd'hui pour vous dire que la bataille n'a pas pris fin parce que 2026 est pour bientôt. Alors les campagnes prochaines se préparent dès maintenant. Et c'est pour cette raison que nous avons organisé cette tournée en même temps pour vous remercier et pour vous relancer pour la suite. Cette victoire est à mettre surtout à l'actif de la jeune féminine soutien Salifou Issa. Il l'a d'ailleurs reconnu ouvertement à chaque étape de mobilisation de la présente tournée. Manaville seul a 2 députés. Donc l'électorat le plus fidèle, c'est celui des femmes. Donc je voudrais que les femmes s'organisent derrière Djamila pour atteindre notre objectif de 4 sur 4. Mais l'objet de notre visite aujourd'hui, c'est pour dire merci. Notre commune, notre première circonscription, a l'avantage que l'opposition n'a rien ici. Maintenant, le reste, c'est de nous organiser pour profiter de tout ça. Dans tout le Nord, c'est la première circonscription qui a donné cette occasion au président de la République. Pour cette initiative, Salifou Issa et sa délégation ne sont pas allés les mains vides. Ils sont allés à toutes les destinations avec le nécessaire en vue de permettre à tous de célébrer convenablement cette victoire. Coopération bilatérale entre le Bénin et la République populaire de Chine, je vous l'annonçais dans les titres. Eh bien, le ministre chinois des Affaires étrangères a foulé le sol béninois. C'était dans la soirée du vendredi. Le chef de la diplomatie chinoise est accueilli par son homologue Aurélien Agbenossi du Bénin. Teddy Goudalon. Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, a accueilli à l'aéroport international Cardinal Bernadette Gantin dans la soirée du vendredi 13 janvier 2023 son homologue de la République populaire de Chine. Après un bref échange, les deux personnalités se sont dirigées vers le palais de la Marina. L'hôte sera reçu par le chef de l'État Patrice Talon. Au programme de cette visite du ministre chinois des Affaires étrangères, des signatures d'accord entre les deux États et une séance de travail au ministère des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin.
L'envie du bien-être, eh bien, les conflits intra ou inter-pays, la famine dans certaines régions engendre aussi le déplacement des populations, ce qui occasionne donc la migration massive d'un point à un autre, un phénomène que le laboratoire d'analyse et de recherche Religion, Espace et Développement, l'ARED de l'Université d'Abomey-Calavi, met au centre des échanges à travers un colloque international organisé du 12 au 14 janvier 2023. L'Université d'Abomey-Calavi accueille le colloque international sur les migrations transfrontalières et les défis sécuritaires en Afrique. Il est organisé par le laboratoire d'analyse et de recherche Religion, Espace et Développement. Ce rendez-vous se tient pour analyser les causes et facteurs dynamisants de ce fait social. L'intérêt du sujet relève de plusieurs aspects. Tout d'abord, il met en relation deux thématiques importantes. Les migrations d'un côté, les sécurités de l'autre. Chaque aspect de ce couple de thèmes revêt à son tour une importance pour les communautés humaines, sociales, pour les dirigeants, pour les organismes nationaux et internationaux et pour les scientifiques, simplement parce que elles touchent à l'existence sociale. 11 thématiques sont à développer au cours de ce colloque qui réunit divers scientifiques d'Afrique et d'ailleurs. Il sera donc abordé, entre autres, l'historicité des défis sécuritaires liés aux migrations transfrontalières en Afrique, les causes et manifestations des défis sécuritaires. Les communautés humaines sont a priori rattachées à leur terre et origine. Cet attachement peut être handicapé à un moment donné par diverses raisons, notamment la gouvernance répressive, la pauvreté, le chômage, les catastrophes naturelles, le changement climatique et l'urbanisation croissante. Il en résulte une insécurité multiforme qui va contraindre certaines catégories de population à rechercher le mieux-être loin de leur terre natale. Les migrations engendrent des vagues de déplacés, des pertes en vies humaines, le trafic des êtres humains. On compte dans le monde en 2019 plus de 258 millions de migrants. Dans la même année en Afrique, les chiffres de la migration infrarégionale sont estimés à environ 19 millions de personnes. Sur les 15 meilleurs pays de migrants en Afrique, 9 se trouvent actuellement en situation de conflit et la mobilisation de la communauté scientifique ici à Abomey-Calavi va permettre d'étudier de nouvelles perspectives d'analyse, de compréhension et d'approche de solutions. Ensemble pour une relance économique réussie, eh bien c'est le principal thème de la rentrée économique du secteur privé édition 2023 organisée par la CCI Bénin et les autres chambres consulaires en collaboration avec les organisations patronales. Cette rentrée entend promouvoir le vivre ensemble du secteur privé et surtout le renforcement du dialogue public-privé. Eh bien, tout s'est déroulé hier au Palais des Congrès de Cotonou. Voici le point. Dans cette salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou, des chefs d'entreprise, des partenaires techniques et financiers et des organisations partenaires ayant répondu à l'appel des chambres consulaires et des organisations patronales du Bénin. C'est la tenue effective de la rentrée économique du secteur privé. Une initiative de la CCI Bénin avec les autres chambres consulaires en collaboration avec le CNP, la CONEB, le CIPB et les autres organisations partenaires stratégiques et qui entendent matérialiser l'union sacrée du secteur privé afin de renforcer le dialogue public-privé. Et pour cette édition de 2023, les travaux portent sur le thème « Ensemble pour une relance économique réussie ». En ce début d'année 2023, je formule le vœu qu'ensemble nous arrivions à renforcer le rayonnement économique de notre pays avec le soutien indéfectible
des pouvoirs publics. La rentrée économique du secteur privé de 2023, c'est aussi deux panels qui ont réuni les acteurs du monde des affaires. Le premier sur le rôle des chambres consulaires dans la compétitivité des entreprises et le second sur le rôle des organisations patronales dans cette compétitivité. Occasion pour les panélistes et les autres acteurs invités de mener de profondes réflexions afin de faire des propositions concrètes devant booster le secteur privé béninois. Le secteur privé souhaite jouer pleinement sa partition dans la mise en œuvre du PAG et invite le gouvernement à lui en offrir les conditions et les moyens. Cette rentrée économique du secteur privé, à laquelle vous avez convié les membres du gouvernement, loin d'être une messe de louanges et de chapelets de doléances, devra être une heureuse occasion d'un pacte de développement entre les acteurs privés et les acteurs publics pour l'éclosion d'idées nouvelles porteuses d'espoir et d'espérance pour notre pays. Les chambres consulaires et les organisations patronales entendent ainsi changer de paradigme en travaillant à une synergie d'action pour faire évoluer leurs positions individuelles dans leur rôle de pourvoyeurs de richesses et d'emplois. Les institutions qui représentent le secteur privé à cette cérémonie ont présenté les vœux de nouvel an aux opérateurs économiques. D'arrêter et de venir d'amoindrir aux populations de Tokamé, Montou, village situé à Kloukamé dans le département du Koufo, les difficultés d'accès à l'eau potable. Eh bien, l'organisation non gouvernementale a offert à ces populations une addition d'eau villageoise et ceci d'une grande capacité d'approvisionnement. L'ouvrage a été mis en service vendredi en présence des bénéficiaires mais aussi des autorités locales. Narcisse Alossin. L'eau potable chicle désormais ici à Tokamé-Montou, village situé à Kloukamé dans le département du Koufo. Le liquide précieux est apporté par l'organisation non gouvernementale Direct Aid. Comme vous le savez, notre président, président Patrice Talon, a voulu que la fourniture du service de l'eau soit d'une qualité de niveau élevé. Et notre partenaire, ayant entendu cela, ayant compris cela, a accepté de se mettre dans la danse pour jouer sérieusement et merveilleusement sa partition. La partition jouée, c'est l'érection d'une adduction d'eau villageoise composée d'un château de 14 mètres de hauteur, surmonté d'un réservoir en béton de 40 mètres cubes, d'un forage de 50,34 mètres de profondeur et d'une grande pompe avec un débit minimum de 6 mètres cubes par heure. Cet ouvrage fait partie désormais de votre patrimoine. Prenez-vous en soin avec amour et délicatesse. Il vous revient de l'entretenir constamment. L'eau potable est un sens de vie, de la vie et également un bien commun. L'eau, c'est la vie, bien sûr, mais l'eau, c'est simplement le développement. Parce que notre commune, notre arrondissement ici, ces entités-là sont des entités essentiellement agricoles. On doit faire fonctionner les ménages. On doit aller faire la culture de consaison. On doit aller à gauche et à droite. C'est l'eau. C'est pour cela que les mots me manquent pour remercier Direct Aid. Des mots de remerciement qui ont été accompagnés d'une promesse. Je vais me joindre à toute la population de l'ANTA, au chef village, au chef d'arrondissement, pour que nous puissions prendre soin de cet ouvrage, pour que nous puissions l'entretenir comme cela se doit, pour que nous puissions tout le temps bénéficier donc des bienfaits de cet ouvrage-là. Mais en attendant l'exercice d'entretien de cette infrastructure, les sentiments de soulagement sont visibles dans le rang des bénéficiaires. Et juste après la cérémonie de mise en service, nombre de ménages se sont rués vers les deux bornes fontaines de cette plateforme qui fonctionne avec un système d'alimentation solaire. Et ceci pour s'approvisionner en cette denrée devenue rare ici depuis des décennies.
Tel que prévu dans l'agenda de son déroulement, eh bien, le colloque scientifique du Festival international de Porto Novo a démarré mercredi à l'école du patrimoine africain. Il a réuni plusieurs catégories d'acteurs, dont les dignitaires, chercheurs et professionnels du tourisme, pour réfléchir à l'opérationnalisation des atouts dont dispose la ville capitale Porto Novo donc, pour son développement. Voici le point avec Emma Houdon. C'est le volet intellectuel de la 6e édition du Festival international de Porto Novo, un rendez-vous consacré à la recherche des voies et moyens pour faire de cet événement un véritable outil au service du développement de la ville. À ce colloque, les échanges entre dignitaires, sachants, chercheurs et professionnels du tourisme vont tourner autour du thème « Potentialité d'attractivité de la ville de Porto Novo, quelle opportunité de développement local ?» Et pour être bien appréhendé, ce thème est décliné en plusieurs axes de réflexion. Ce recentrage, avec les axes de développement définis, nécessitait une connaissance des valeurs et richesses intérieures de la ville et a posé de réels problèmes d'intégration à nos habituels participants de l'extérieur. L'axe 1 demandait de se pencher sur la diversité socio-culturelle et le dialogue interreligieux, enjeu de développement pour la ville de Porto Novo. L'axe 2 demandait de réfléchir sur les perspectives de promotion de la destination Porto Novo, enjeu pour le développement touristique du Bénin. Et l'axe 3 nous concentre sur le futur projet du Musée international du Vaudou et nous demande de réfléchir aux perspectives de la mise en musée du patrimoine immatériel du Bénin et de sa diaspora et sur la partition que ce projet pourrait jouer dans le développement de Porto Novo. Pour le maire Charlemagne Yankoti, mettre en lumière les potentialités de Porto Novo revêt un intérêt capital au regard des ambitions culturelles et touristiques du Bénin inscrites dans le programme d'action du gouvernement. Quand je lève la tête et je vois devant moi la horde d'éminence grise universitaire, gardien de nos traditions, dépositaire de nos connaissances endogènes, et aussi les acteurs du secteur économique, j'ai comme pour ainsi dire une assurance scientifique et certaine du fait de vos présents travaux, notre ville commencera à coup sûr par tirer profit de ses potentialités culturelles, économiques et touristiques. Notre ambition est d'être parmi les toutes premières grandes villes et la meilleure du Bénin à mettre en branle avec efficience et efficacité la vision du président dans le volet culturel du PAG. La toute première communication de ce colloque, présentée par le professeur Dodia Mouzouvi, a fait mention de ce que Porto Novo est l'une des rares villes du Bénin qui allie atouts économiques et touristiques capables de contribuer efficacement à son développement. Il ne reste qu'à les rendre opérationnels pour faire de la ville la destination touristique la plus enviée du Bénin. Les travaux de ce colloque sont prévus pour durer 3 jours. Et pour boucler, c'est connu de tous, hein, la 14e édition de la fête identitaire Wemere, c'est du 25 au 29 janvier à Djohun. Sur le terrain, il y a une spéculation malsaine par rapport à la commercialisation des tissus retenus pour la fête. Et pour alléger les peines des fils et filles de la vallée de l'Ouémé, eh bien, la coordination générale de Wemere a décidé de valider pour la fête les tissus utilisés pour les 11e et 13e éditions. Ceci a un prix très moins cher. Écoutons ici et maintenant les membres de la coordination de la fête identitaire Wemere. C'est un message unique, message de la coordination. Il faut décourager ceux qui font la spéculation. Le tissu est à 18 000 francs. Aujourd'hui, s'il faut l'avoir, c'est au-delà de 30 000. Nous voulons décourager cette habitude. C'est pourquoi on a décidé de ramener les tissus que vous voyez chez nous, là, les tissus qu'on a portés là,
à 10 000 francs la pièce. Il y en a en quantité. Donc, ceux qui n'ont pas encore pris le nouveau tissu, ils n'ont qu'à se rapprocher de nous pour prendre les tissus de Bomou et de Dango. C'est à 10 000 francs la pièce. On ne peut pas accepter que les gens viennent prendre des tissus chez nous à 18 000 francs et vendent ça cher. Non, ce n'est pas pour eux la fête. La fête, c'est pour tous les women. Donc nous, on ne va pas laisser la population souffrir. Ça, c'est une souffrance. Il faut qu'on décourage ça. Et soyez sûrs, prochainement, nous allons prendre des dispositions pour que ça n'arrive plus. Dans nos villes, et c'est sur cet élément que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. À demain, 19h30. Bonsoir.